Voilà, on arrive sur la baisse du Détroit, je vais vous la montrer. Déjà 4 heures qu'on est parti, les jambes sont dures. La baisse du Détroit, c'est juste là derrière, il y a 100 mètres de dénivelé, pas plus. Faut franchir tous ces blocs. Et voilà, débouché à la baisse du Détroit, en venant de Ligne, donc dans le sens Ligne Pasquier. Oh, il y a le vent là, ça caille. Et voilà. Et au fond de la vallée, là-bas, Colmar. Le grand collier. Le Courador, là. Peut-être qu'on va au Courador, j'en sais rien encore. Cheval blanc, là-bas au fond. Attends, je finis. Voilà, on vient de finir de descendre. Juste la baisse là. Effectivement, c'est tout sur le vélo. Je ne croyais pas bien. Par contre, la roupine est sacrément en travers. Alors, vous avez choisi quoi? Moi, j'aime bien par là. Un peu en plonge et. Passage à la cabane du Pasquier. On descend là-bas. Et pour changer, oui, on va aller sur l'Orgeaz. D'habitude, on fait dans l'autre sens. Par contre, le travers qui ramène à l'Orgeaz, faites gaffe, il y a un endroit, c'est dangereux. Oui, on sait. Non, mais dans l'autre sens, on monte, donc on va pas vite, ça va, mais dans ce sens-là, ça va être Pasquier. Entre le Pasquier et la baisse de l'Orgeaz, ben, tous les petits vallons là. Ouh, c'est dur à cadrer avec le zoom. Thierry derrière. Là. Voilà, arrivé à la baisse de l'Orgeaz. On se rapproche. On commence à faire long. Hein. On prend pas le chemin, on prend la piste. Si tu veux. Et on prend le départ du chemin quand même. Il est là. Ouais.